Il t'envoie à les aider à trouver dans la parole de Dieu une reine. Il te demande d'être proche de ceux qui souffrent et de ceux qui cherchent Dieu. Avec les autres responsables de l'unité pastorale et les chrétiens d'ici, il t'envoie annoncer la bonne nouvelle et servir ton prochain. Il te confie les personnes qui s'engagent au service de cette portion d'église qui est à Molenbeek et te demande de les accompagner et les guider avec l'aide de ton confrère, le père Hervé Arnoldi. Alphonse, veux-tu faire de ton mieux pour être le pasteur de ces communautés et acceptes-tu la mission que l'évêque te confie? Oui, j'accepte ces missions avec la grâce de Dieu. Je m'engage à servir les communautés qui me sont confiées en célébrant avec elles les sacrements, en leur annonçant fidèlement la parole de Dieu, en les confirmant dans leur charisme et en encourageant leur vie de prière, leur témoignage de vie fraternelle. Puisse le Seigneur et vous tous ici présents le bénir. Au nom de notre archevêque, Mgr Luc Termidon, et de son vicaire général pour Bruxelles, Mgr Cockroys, je t'installe comme responsable pastoral de l'unité pastorale Emmaüs. Ne fermez pas votre cœur dans le désert, où vos pères vous tentaient et provoquaient, et pourtant, ils avaient vu vous respirer. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez. Thank you.
Le Seigneur soit avec vous. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches, c'est la seule. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Si tu n'écoutes pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'ils refusent de l'écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'ils refusent encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis. Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont venus en mon nom, je suis là au milieu de vous. Accepte d'aimer tout homme, quel qu'il soit.
même si la vie de celui-ci est défigurée par le péché. En même temps aussi, le Seigneur Jésus prévient les difficultés inhérentes à toute communauté humaine. Il montre comment résoudre celle de la communauté de croyants en suivant la procédure qui paraît sévère ou exclusion, mais qui n'est qu'un effort délicat, un effort patient, un effort concerté pour réintégrer dans sa vocation et dans l'esprit de l'Église celui qui s'est éloigné. C'est ainsi que nous avons entendu Jésus. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole des deux ou trois témoins. Il ne s'agit pas là d'une exclusion. Il s'agit d'un processus de correction fraternelle graduée. Et cela pour éviter la précipitation, pour éviter l'arbitraire. Et cette procédure termine par ce conseil. Je cite, regardez-le comme un païen et un publicain. Ce qui veut dire, n'attendez pas de lui ce qu'on peut exiger d'un disciple, d'un croyant, d'un baptisé. N'attendez pas de lui les exigences de l'amour mutuel qui implique la co-responsabilité de charger-le de ses obligations de croyant. Remettez-les entre les mains de Dieu. La correction fraternelle devient un chemin de la miséricorde de Dieu si elle est éclairée par la révélation de la volonté de Dieu. Ainsi, nous pouvons nous poser quelques questions. Sommes-nous capables de nous aider mutuellement à nous corriger les uns les autres avec amour? Est-ce que nous cherchons à nous réconcilier? Que faisons-nous de cette lourde responsabilité que Dieu nous confie? Sommes-nous ouverts et accueillants aux interpellations et aux corrections fraternelles dans nos communautés de foi, dans nos communautés de vie? Dans la première lecture, nous avons entendu ces paroles. Je cite, Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Nous le savons, un guetteur voit, un guetteur proclame ce qu'il a vu. Il fait la vigilance envers le frère ou la sœur. Nous pouvons dire par ces paroles, Dieu ne nous rend pas des honneurs que nous sommes aux autres, mais de les aider à rester dans le droit chemin, de leur manifester l'amour, l'unique dette que nous devons avoir envers eux selon Saint Paul. Je cite, frère, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel. Cet amour, dit-il, reste l'accomplissement parfait de la loi. Et c'est cet amour qui assure l'unité dans la communauté. Comme Saint Jean-Paul II aimait le dire, l'unité dans la diversité, l'unité dans laquelle il y a le respect de la différence.
C'est cet amour qui assure la présence du Seigneur dans la communauté. L'Évangile nous dit, je cite, « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Nous pouvons dire que Dieu est présent parmi nous par cet amour que nous devons le faire envers les autres. Ainsi, dans notre prière d'aujourd'hui, demandons au Seigneur que sa présence au milieu de nous nous ouvre à l'amour mutuel qui implique la co-responsabilité, qui nous fait vivre par les autres et pour les autres. Qu'il en soit ainsi pour la gloire de Dieu et aussi pour notre salut. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à le rencontrer pour nous transformer en ses disciples. Notre présence est une réponse à cet appel, et cette réponse, nous l'appelons la foi qui nous anime, la foi qui nous fait déplacer de chez nous pour nous retrouver ensemble et pouvoir la célébrer. Je vous invite à vous lever pour la proclamer. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, élevé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié.
les personnes plus âgées, les malades, les couples qui vivent des moments difficiles, les enfants qui souffrent d'être laissés trop à eux-mêmes, pour tous les déchirés de la vie, ayant aussi une pensée pour toutes les personnes qui sont touchées au Maroc par le séisme qui a touché la région de Marrakech. Seigneur, nous te prions avec confiance. Chacun séparé dans des individualismes qui nous détruisent,
de pouvoir se rassembler, en se rassemblant, en se parlant. On veut créer véritablement la paix et vivre mieux ensemble. C'est le vœu que je fais pour toute la commune, et c'est également à ce vœu que je travaille tous les jours. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Thank you.
Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sera versé pour vous et pour la multitude en bénédiction.
cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous vous remercions, Seigneur Jésus. Nous célébrons la résurrection. Nous allons la vie. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et l'amour du Seigneur, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Jean, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions particulièrement pour le repos de l'âme de Crespin Aubly, Juliette Sossouli. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons d'abord. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus ton Fils, notre Seigneur.
Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, cette messe étant particulière, il y a certainement des personnes qui ne sont pas habituées à Sacha. Et donc, ici à Sacha, pendant la communion, chaque rangée attend qu'on puisse l'appeler pour pouvoir venir communier au sang et au corps du Christ quand il y a aussi le sang du Christ. Alors, je vous demanderai de pouvoir respecter cette consigne et d'attendre qu'on appelle votre rangée afin d'avancer si vous voulez communier. Et les enfants qui veulent se faire venir peuvent aussi avancer vers le prêtre. Merci de respecter ces consignes.
de ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé. Lui qui règne maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Je me ferai la privation de pouvoir tout lire. Vous pouvez retrouver les annonces de nos messes sur les affiches. Comprenez que le temps faisant et la chaleur ne nous aidant pas, je ne vais pas vous retenir longtemps. Donc pour les horaires des messes, ceux qui ne connaissent pas, il y a des affiches sur lesquelles on peut les trouver et aussi pour les différentes activités de notre paroisse. Je parlerai essentiellement de deux annonces. La première annonce, c'est au sujet de la fondation Béthune. Ici, lorsque vous sortirez, à votre gauche, sont exposés les objets religieux. Alors, c'est la fondation Béthune et c'est la sœur de la fondatrice, représentante ici en Belgique, qui s'occupe donc de pouvoir faire les activités. Et cette fondation s'occupe des nécessiteux et des pauvres dans 36 pays ici au monde. N'hésitez pas d'apporter votre soutien à ce type d'œuvre caritative. La deuxième annonce, c'est plutôt que à nos pasteurs ici qui viennent d'être installés et qui commencent leur mission ici, au nom de Madame la bourgmestre, ici représentée par la conseillère Madame Karine Rivo, au nom de la doyenne, au nom des fidèles et de la communauté si riche, belle et diversifiée de l'unité pastorale Emmaüs, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre nouvelle mission que vous a confiée l'Église. Et nous la traduisons par cet applaudissement. En vous souhaitant un bon dimanche et avant que l'abbé Alphonse prenne la parole, je vous informe également, et ça c'était la deuxième annonce, qu'après la messe, il y a un verre et un petit encas qui est. Il y a Martine Kelly. Il y a un verre et un petit repas qui est donc proposé ici dans la salle paroissiale. Voilà, nous sommes à beaucoup, mais lorsqu'il y en a pour un, il y en a pour deux. Et alors, vivement, accompagnons nos pasteurs dans ce petit repas. Chère Marie-Paul, Madame la bourgmestre représentée, chers confrères dans le sacerdoce ministériel, frères et sœurs bien-aimés dans la foi en Christ et Seigneur, votre présence en ces lieux en ce moment, après avoir effectué le déplacement aussi bien loin, pour ceux ou celles qui viennent d'Allemagne, d'Italie, de France, de Suisse, si bien loin que proche, ceux ou celles de Belgique qui viennent d'Anvers, Grammont, Liège, Namur et Bruxelles, avec toutes les personnes qui se sont données corps et âme pour rendre possible ces jours.
votre présence traduit non seulement l'affection que vous nous témoignez, mais aussi et surtout votre présence est une marque de soutien, une marque de réconfort dans cette tâche que nous allons porter ensemble. Désormais, dans notre unité pastorale Emmaüs, nous vivons des changements tant au niveau des pasteurs qu'au niveau des acteurs qui doivent assumer des responsabilités pour l'édification de notre unité pastorale. Certes, ces changements suscitent des questionnements, d'incertitudes, des doutes et de peurs. À ces sujets, je me rappelle les paroles d'une personne spéciale et avisée à la personne de l'abbé Oscar de Wenyewesi, d'heureuse mémoire, qui est répétée à tout instant. L'autre, l'inconnu ou le nouveau, est une chance ou une menace. Mais seulement on le découvre souvent quand il est tard. Voilà pourquoi il faut toujours se laisser porter par l'optimisme et l'amour de Dieu qui inscrit en notre vie la vocation de co-responsabilité. Et dans l'agitation des questionnements, d'incertitudes, des doutes ou de peurs, n'oublions pas que le Seigneur crie « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Une façon de nous dire qu'il est toujours là présent, qu'il est toujours à l'œuvre partout où il nous confie une mission. Quitte à nous de professer notre foi comme les disciples qui ont vu le vent tomber dès que le Seigneur est entré dans la barque avec Pierre. Vraiment, Dieu le Fils de Dieu, un cri qui est une invitation à une véritable adoration. Il s'est prosterné devant lui. Frères et sœurs, bien-aimés dans la foi au Christ Seigneur, l'objectif que nous nous assignons est de construire une véritable unité pastorale. Autrement dit, le Seigneur nous invite tous à construire une unité pastorale appelée communion participation, c'est-à-dire une unité pastorale dans laquelle tout membre, qui qu'il soit, joue son rôle et apporte le meilleur de lui-même pour le bien-être de tous et de chacun, pour l'harmonie et la cohésion dans l'unité, pour le mieux-être et le vivre ensemble. Pour ce faire, plusieurs exigences s'avèrent indispensables. Je cite la répartition claire des tâches et leur définition. Je cite le respect de sa tâche et surtout des tâches des autres. Je cite la prise de conscience que sa tâche ne représente qu'un maillon de la chaîne et qu'elle ne trouve son sens qu'en étant lié à l'ensemble des autres. Je cite la disponibilité et l'ouverture aux différentes propositions et à la collaboration. Je cite la conscience d'être tout simplement un instrument que Dieu utilise pour réaliser sa volonté. Je cite l'écoute de l'autre et la foi en Dieu. Je cite l'amour de la parole de Dieu et l'amour de la prière.
Ainsi, notre unité pastorale communion participation s'est construite et est à construire chaque fois que résonne en nous le cri du Seigneur, je cite, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Ce qui est une invitation à la reconnaissance du Seigneur comme maître et sauveur, une invitation à l'amour mutuel inscrit en notre vie, une invitation à l'assurance de la présence de Dieu en nous, avec nous et parmi nous. Autrement dit, c'est une invitation à avoir la foi en Dieu et à se remettre à la prière comme Saint-Pierre qui a enfoncé dans la mer en marchant vers Jésus. Je cite, « Seigneur, sauve-moi. » Chère Marie-Paul, Madame la bourgmestre représentée, chers confrères dans le sacerdoce ministériel, frères et sœurs bien-aimés dans la foi au Christ Seigneur, veuillez trouver à travers ce mot l'expression profonde de notre gratitude. Permettez-moi tout simplement de remercier d'une manière particulière une personne qui est parmi nous et qui fut mon professeur pendant mon cycle de philosophie. À savoir, moi j'ai déjà 38 ans de ministère, mais ne demandez pas combien il en a. Il vient de l'Allemagne, c'est l'abbé Constantin Berlé-La. Désormais, que tout ce que nous allons vivre dans l'exercice de nos responsabilités, aussi bien d'incertitudes, de doutes, de peur que de joie, que tout cela devienne le signe du temps pour découvrir ce que le Seigneur attend de nous. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Être dépositaire de ses grâces pour les saluer des autres. Nous vous remercions. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant bénisse et vous garde, le Père, le Fils, Saint-Esprit. Amen. N'oubliez pas que vous êtes obligés à descendre à la Sainte-Esprit. Allez et demeurez dans la paix de Jésus. Bonne fête à tous et à tous. Thank you.
Qu'est-ce qui s'est passé ici à l'église par rapport à l'église? Aujourd'hui, nous sommes heureux, très contents pour la nomination de l'abbé Alphonse, notre abbé de Saint-Charles. En tout cas, nous lui donnons toutes les bénédictions, nous prions pour lui, tout va marcher à son bonheur. En tout cas, merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour tout ce que tu fais pour nous et tout ce que tu feras toujours pour nous. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Bonne chance. Sœur Sandra, nous venons de terminer avec la messe qui a eu lieu ici à Saint-Charles-les-Bornais pour l'installation de monsieur l'abbé Alphonse, qui est devenu curé, le responsable direct de la paroisse. Et ici à Molenbeek. Alors, vous, quel est votre mot de souhait que vous donnez et vous parlez, que M. l'abbé Alphonse pourra entendre ça une fois? Nous remercions d'abord l'Éternel Tout-Puissant d'avoir permis que l'abbé Alphonse soit nommé aujourd'hui et soit installé. Et tout ce que nous pouvons lui citer, c'est que le Saint-Esprit l'accompagne durant sa mission au sein de notre paroisse. Et qu'il soit vraiment guidé par la sagesse et l'intelligence qui vient de l'Esprit Saint. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons lui souhaiter. Et pour vous, les chrétiens d'ici, est-ce que vous n'avez pas vraiment l'envie de collaborer ou vous allez collaborer ensemble avec lui pour que vous puissiez tous aller ensemble autrement? Nous allons évidemment collaborer avec notre nouveau pasteur, toujours sous la direction du Saint-Esprit. Merci. Merci. Marie-Paul, elle est venue, elle a passé à l'installation. Alors, pour le moment à chaud, quel est votre consentement par rapport à cette charge, lourde charge qu'on vous donne maintenant? C'est une nouvelle mission que vous recevez. Un petit mot par rapport à ça, comme ça on pourra voir à la longue comment ça va s'évoluer. Il y a d'abord la joie d'être accepté, choisi par Dieu pour exercer cette responsabilité. Quand il choisit quelqu'un, il lui donne tous les moyens possibles pour réaliser la mission. C'est comme ça que ma tâche sera toujours dans la prière, dans l'abandon total dans ses mains, pour qu'il exerce lui-même cette responsabilité, mais à travers moi. Je ne cesse de lui rendre grâce pour cela. Merci. Merci, monsieur l'abbé. Monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi parce que
je n'ai pas vos noms, mais dommage. Ah, c'est Christian Vandenplas. Ah, c'est Christian, monsieur Christian. Oui, et moi, c'est Anselme. Ah, monsieur Anselme. Est-ce que voudriez-vous nous dire pourquoi on est là aujourd'hui? Nous sommes là aujourd'hui pour l'installation, l'officialisation de Alphonse en tant que responsable de l'unité Emmaüs, c'est-à-dire Saint-Charles et Résurrection. Et en même temps nous avons présenté notre nouveau prêtre, Hervé, car notre précédent, Gilbert Yamba, a une autre mission à la basilique. Donc c'est pour cela que nous avons fait cette fête et que, entre autres, la doyenne Madame Gendarme était présente et la bourgmestre, parce que c'est quand même une grande responsabilité dans la commune, que c'est un nouveau responsable de la paroisse ici. De la paroisse, et en plus, il a été nommé comme curé ici à Saint-Charles. Ah oui. Pas pour l'unité Emmaüs. Là, il est responsable pour l'unité Emmaüs, mais il est curé ici à Saint-Charles. Ah, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous n'avez pas un dernier mot à dire par rapport aux chrétiens et tout le monde? Ben, nous espérons que, comme il était déjà référent chez nous, nous espérons et nous sommes certains qu'il va prendre cette mission à cœur, parce qu'il a fait un appel à Dieu il y a 38 ans, comme il avait dit. Et donc, voilà, et on a une très, très, très bonne collaboration entre les deux paroisses et avec tous les prêtres. Donc, j'espère qu'avec le nouveau prêtre Hervé, ça passera très, très bien aussi. Merci. Je vous en prie. OK.